Et bonsoir. De la Last of Us, normalement tout devrait bien aller. J'ai pas mis le chat. Là, la sécurité est mise. Tu sais comment faire pour la retirer? Oui. Bon, il faut que tu fasses attention. C'est pas un... Joël, je serai prudente. D'accord.
marche. Ah, la foutue chaîne est bloquée. Attends. Hey. Voilà. Ok. Bien joué, Ellie. Tu m'aides à monter. Aide-moi à l'ouvrir. On se met au travail. Ça tiendra. Merde, baisse-toi, vite! On a de quoi faire, on dirait. Je sais. C'est juste... Oh, merde. Il faut qu'on atteigne le pont. Bon, au moins une portée de soupe. Je suis sûr que vous avez réussi à quitter la ville. Ouais, c'est plus qu'à trouver les deux du pick-up. Ouais, j'espère qu'il y avait une putain d'armée dans ce pick-up. Comment ils ont fait pour filmer toute l'équipe là-bas? Viens par là.
l'équipe postée à l'aise. Ils ont rien vu. Et Market Street alors? Ouais, ils ratissent la zone en ce moment. Ils les trouveront peut-être. J'espère vraiment que ces intrus vont se montrer. Merde, ils finiront par sortir. Joël, il y a un type au premier étage, juste là. Ouais, je le vois. Pas un bruit. Oh bon sang, la survie
à tout prix. Quoi? Le truc de la BD. Complètement zappé la bombe. Alors c'est comme ça que ça s'est terminé dans cette zone. Là, viens Ellie.
presque. Ouais, salut, je suis pas Chris. Ouais, voilà, j'y joue via au serveur PS Now. En fait, je vais pas télécharger le jeu. C'est l'application via PC et ça me permet de jouer à des jeux plus vieux. Parce que ça, c'est une version PS3 en fait. J'ai coupé toutes les applis. Hier, le serveur PS Now était un peu en PLS, donc j'ai eu du mal à continuer Last of Us. Mais aujourd'hui, ça a l'air d'aller. En fait, j'y joue sur PC là, mais c'est via une application. En voilà une autre. Ça me fait plaisir que tu l'arques, merci. Pour l'instant, je suis satisfait du service, même si parfois. En fait, j'utilise même pas mon PC, la carte graphique, elle me sert juste à. C'est directement les serveurs de chez Sony qui me fournissent le jeu. En fait. Ça va, reste accroupi. Et ils ont aussi tout un panel de jeux PS2, comme ça, et ainsi de suite. Que je fais après Last of Us, c'est Killzone. Premier du nom qui était sorti sur PS2. Ouais, pas de soucis. Regarde ton émission. A ton avis, j'en veux, tiens. Ouais, c'est ça. Hé, hey, je t'ai sauvé de ce claqueur la semaine dernière. Come on.
Instant, je fais un petit tour OBS, voir si tout va bien. On est toujours dans les normes. Super. Ok. On est reparti. Tout va bien. Ils peuvent pas nous voir. C'est quoi ça ? Joël ! Attends ! Joël, arrête ! Laisse-le tranquille. Du calme, petit. Fais pas de bêtises. Ça va. C'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. Oh, oh merde, tu frappes fort. Ouais, c'est parce que j'essayais de te tuer. Ouais, j'ai cru que t'étais avec eux aussi. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y a pas de gosse avec eux. La loi du plus fort. Tu saignes ? Bon, non, c'est rien. Je m'appelle Henri. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joël. Ellie. Qui d'autre est avec vous ? Ils sont morts. Hé, on n'en sait rien. On était plusieurs. Quelqu'un a eu la super idée d'entrer dans cette ville pour chercher des vivres. Ces enfoirés nous ont tendu un piège. On a été séparés. Maintenant, on essaie de sortir de cette merde.
On peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes. Elle a raison. On pourrait s'entraider. On a une planque pas loin d'ici. On sera en sécurité pour parler. Ok, on vous suit. Suivez-moi. Désolé pour l'histoire du flingue. T'inquiète, j'aurais sûrement fait la même chose. Vous êtes d'où ? Nous, on vient de Hartford. Vraiment ? Là, ici, maintenant. Faut qu'on soit prudent. On est près d'un des postes de surveillance. Et voilà. Ellie, j'ai trouvé une autre BD que t'as l'habitude de lire. C'est pas mon père, c'est juste... J'ai promis à quelqu'un de veiller sur elle. Ouais. Attendez. Taisez-vous. Écartez-vous des fenêtres. Ils sont partis. Merde, ce foutu camion. Depuis qu'on est arrivé dans cette... Sam, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Jette-moi ça. Mon sac à dos est quasiment vide. C'est quoi la règle sur ce qu'on prend ? Mais ça pèse rien. La règle, c'est quoi ? On prend le minimum. C'est ça. Allez, on y va. Il est loin, cet endroit. On arrive. C'est tout près. Ellie, tu nous couvres. On dirait qu'il y avait quelqu'un, mais ils sont partis. Sam, et où sont les reste autres avec elle. Ils voulaient refaire un dernier tour, pour s'assurer qu'on n'ait rien loupé. On le parle ça. Une solution, d'accord ? Merde ! Tout va bien. À
Pas mal pour un vieux. Allez. Par cette porte. Toi qui les connais bien, tu es certain que c'est sûr? C'est celle qui a la clé. Et d'où tu la tiens? Moi? 14 ans. On y est. Bienvenue dans mon bureau. Ça fait longtemps que vous vous cachez ici ? Ouais, quelques jours. Mais on a trouvé à manger. Viens. Des myrtilles ? On en a toute une réserve. T'en veux ? Non. Eh, détends-toi. On craint rien. Alors pourquoi vous n'êtes pas parti ? On attendait juste le bon moment. Et ? Viens. Je vais te montrer un truc. Regarde ces fils de pute. Tous les jours, ils se retrouvent ici pour surveiller ce foutu pont. Mais le soir, ils sont plus que quelques-uns. Quand le soleil est couché, c'est notre chance. Vu ce qu'il reste, on peut leur passer sous le nez. Ça peut marcher. Oh, ça va marcher. Ça va carrément marcher. Wow. Ok, prête ? Aïe ! Attaqué par une... Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire comme ça. Elle a pas l'air de s'en faire beaucoup. Où est-ce que vous alliez ? Il paraît que les lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais. Ça te fait marrer ? Ah, j'ai juste l'impression qu'il y a un paquet de gens qui misent tout sur les lucioles ces jours-ci. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors, tu sais pas où ils sont et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi ? Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Détends-toi. Nous aussi, on cherche les lucioles. On est là. Il y a une station radio militaire abandonnée à l'extérieur de la ville. Les survivants de notre groupe sont censés nous retrouver là, demain. Si toi et ta fille voulez venir, c'est cette nuit que ça se passe. On devrait se reposer un peu alors.
Il dit qu'il faut qu'on y aille. On va devoir être rapide, d'accord? Alors peu importe ce qui se passe, tu me colles. Je te colle. Tu me colles. Compris. Bien, bien. Bon, tout le monde est prêt? Ouais. Ok. Vous éloignez pas, ok? T'as déjà essayé? C'est rassurant. J'espère que tu connais le chemin. Ok. On s'en débarrasse discrètement. Bon, à toi de jouer. Hey, ça marche. Comment ça va? J'essaie de me réchauffer. Qu'est-ce que ça donne là-bas? On a abattu quelques infectés, mais aucun signe de ces infectés. Dénudé de la manette. Faut que je remplace ça. C'est reparti. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je vois ça. Essayez de vous planquer! Je le vois. Ah,
C'est bon. Tout va bien. Il a fallu que j'improvise. Henri, file-moi un coup de main. Arrêtez-vous. Merde. Oh non. On va. Ah, c'est bon. Allez, venez. Restez sur vos gardes, on est encore en danger. Allez, va jeter un œil. C'est bon, Sam, amène-toi. Allez, petit, on y va. Allez, allez! Merde! Allez, vite! Allez! Je te tire! Faut le faire monter! Désolé. On s'en va. Quoi? Non! Quoi, tu déconnes? Allez! Viens! Qu'est-ce que tu fous, Henri? Ah oui, entrée de jeu, bien sûr. Putain, Joël!
veste. Ils vont nous tuer. Tu vois une autre solution? On saute. Non, c'est trop haut et tu sais pas nager. Je vais t'aider et tu vas t'enfuir en courant. Oh merde. Tu m'aideras à nager. Ellie. Pas le temps de discuter. Ellie. Fais chier. J'étais suffisamment prêt, comme ça, vu qu'il était un peu coincé, je me serais mis dans l'angle mort de la tourelle et j'aurais posé mon bras sur lui. Et tire plein de petits trous, ça aurait fait boum à l'intérieur, ils seraient tous morts. C'est un peu con, il réfléchit pas trop, Joël. Henry, t'as Daryl dans The Walking Dead qui arrive à faire péter un tank avec une malheureuse grenade, donc, parce qu'il a fait rouler la grenade dans le canon. Je te l'avais dit, pas vrai? Il est vivant. Tout va bien. Tu sais, c'est Sam qui vous a vu. Vous étiez sur le point de... Hé, ça va? Qu'est-ce qui te prend? Oh, recule, petit. Il est énervé, mais il va rien faire. T'es sûr de ça? Arrête! Joël! Il nous a abandonnés là-bas. Non. Vous pouviez vous en sortir, et vous avez réussi. Mais revenir vous chercher, c'était le mettre lui en danger. Recule. Si ça avait été toi, tu serais revenu pour nous? Je t'ai sauvé. Il m'a sauvé aussi. On se serait noyé. T'inquiète pas, je vais bien. Pense ce que tu veux, mais je suis content qu'on vous ait vu. Bon, la tour radio est derrière cette falaise. Ok, il y aura plein de vivres là-bas. Tu vas être heureux de pas m'avoir tué. Eh, on va fouiller cette zone pour voir ce qu'on trouve. Une heure de stream sans accro pour le moment. Bah, ce réglage que j'ai fait pour moins... Ouais, pour c'était favoriser les connexions au serveur à l'heure de fonctionner. Ouais. Allons chercher cette tour radio. J'ai coupé tout ce qui me servait pour... J'ai coupé Discord, j'ai coupé Steam. Si jamais je sens que ça merdouille un petit peu, je lancerai une pause, on coupera le jeu, on lancera dans 5 minutes. On trouvera peut-être quelque chose dans le bateau là-bas. Histoire de rafraîchir tout ça. A mon avis, ça dépend aussi de la qualité du jeu. À mon avis, quand ça sera un jeu PS2, ça tournera quand même. Très bien qu'ils aient redoré leur blason, qu'ils aient baissé leur tarot et tout, mais encore quelques petits efforts à faire, peut-être au niveau de leur installation serveur. Ensemble, c'est pas mal. Mais si Stadia propose des tarots élevés et qu'ils ont parfois les mêmes ennuis techniques, les gens risquent de gueuler. Les gens gueulent de toute façon, de toute manière. Failli. C'est bien qu'il soit là.
j'avais un yacht de 20 mètres. Ellie, je crois qu'on a trouvé quelque chose. Allons voir ce que c'est. Je parie que ça donne sur l'extérieur. J'ai besoin d'un coup de main. Ok, ensemble. Allez, c'est parti. Ok les gars, go. Ok, c'est parti. Ok, vas-y. Ok. Hey, sortez volant. Sam, t'es loin. Non. Joël, on devrait aller voir par là. Ok, on va aller tripoter. J'aime vraiment pas cette zone. Moi non plus. Mais on attend pas la même chose. Hé, hey, par ici! Je peux me faufiler et dégager la porte. Oh, merde. Ce rat est énorme. On peut sortir par là ? C'est coincé. Ok,
bloqué, Joël. Comment on traverse? Faut trouver quelque chose. Ce truc est sur une sorte de rail. On doit peut-être s'en servir. Essaye pour voir. Oh merde. Ouais, rien de cassé. Vas-y, Ellie. Ah, je vois. Pas bête. J'ai hâte de sortir d'ici. Regarde si ce générateur marche encore. Je le sens pas. La poisse.
ta main. J'ai bien envie de m'impressionner tous les deux. Sorte d'alarme. Ouais, quelqu'un vivait ici. Mais on dirait que c'est plus le cas aujourd'hui. Quelqu'un qui penserait pouvoir sécuriser cet endroit. Allez, non. Oh, relax. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens? Vu qu'on est tombé sur un claqueur, ils sont partis depuis longtemps. On continue à avancer. On n'a plus qu'à espérer qu'il n'y en ait pas d'autre. Même si j'en doute. Thank you.
crois que ça conduit dehors? Possible. Mais c'est trop haut pour la courte échelle. Il y a peut-être un autre moyen d'y accéder. Ouais, ça va. C'est moi, j'ai dû déclencher une sorte de porte de sécurité. Henri, essayons de la soulever. Bon, c'est plutôt gênant. Ouais, je sais, toujours la des même... Des claqueurs. Quoi? Eh, ce sale truc bougera pas. Courez, allez-vous-en. Sam, reste à côté de lui. Henri, faut qu'on bouge là. Fais bien gaffe à lui. Allez. Tout va bien se passer. Ouais, ouais, je sais. Allez, viens, petit. On va essayer de sortir de là, ok? Ok. C'est quoi cette ambiance cour de récré là?
j'ai l'impression qu'il y avait un paquet de gens qui vivaient ici. Ouais, on dirait. Cet endroit, on dirait une salle de classe. Ils n'ont pas pu se défendre. Pas maintenant. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Moi, je n'y a pas d'établi ici, à moins que je l'ai pas vu, mais... Vas-y. Et voilà. Bien joué, petit. On y va. Joël, c'est eux. Sam ! Oh, bon sang. On doit pas rester là. Ellie, éloigne-toi de la porte! Sam! Il a réussi à passer! Il a quoi? Sam, mais qu'est-ce que tu fous? Sors de là! Bon, bah, dépêche-toi! Ok, allez! Dépêche-toi!
leur freux. Regardez. Bon, certains, au moins les refrains. Vous rigolez ou quoi? Merci de m'avoir prévenu, les gars. Elle est où, cette tour? C'est proche. Allez, on y va. Oui, passez votre petit chemin boueux. Hey. Ça va, petit frère? C'était chaud, hein? Ouais. On a connu mieux comme situation. Je continue. Regarde ça! Ouais, qu'est-ce que j'avais dit? Trouvons un moyen de l'atteindre. Et toi, comment ça va? Comme d'habitude, quand j'étais avec Henri, j'ai... Ouais. C'était plutôt intense tout à l'heure. Vous entendez bien, mon gars. Une bonne idée, finalement. Attention, tir à vue. Les gens ont l'air accueillants. Les premiers mois après l'épidémie, il y a eu des pillages. Tout le monde est devenu parano. Tu t'en rappelles, Joël ?
Les gens se barricadaient chez eux. Et puis, les provisions ont commencé à manquer. C'est là qu'on voit de quoi les gens sont vraiment capables. Essaye de pas les approcher de trop près. Ils sont pas comme ceux de la zone. Ils sont sauvages. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un marchand de glace. Ouais, c'est Henri qui m'en a parlé. Il vendait des glaces. Hein. Se mettre pour le moment, il faut garder nos pinces. Vous avez pas faim, vous ? Si. Hé, les gars. Ok.
d'avant. Comment ça? Pourquoi? Hé, hey, Sam. Fais attention. Ouais, d'accord. Bon, attends. Coffre fort, je suis pas fou. Non, tu t'es carrément fait laminer. En quoi je me suis fait laminer? On est presque à égalité. Ouais, d'accord. Performance sur 20. Un jour les gamins. En route. À terre. Foiré de sniper. Qu'est-ce que t'as vu de plus? Plus loin dans la rue. Très bien. Restez tous ici. Non. Avant d'y aller, je voudrais que vous fassiez diversion. Je vais essayer de trouver un endroit d'où je pourrais l'atteindre. Ok. Hé, sois prudent. Planquez-vous dans cette barre, ça ne sert à rien. La gerbe de sang que ça a fait. Planquez-vous dans cette baraque, même si ça sert à rien! Où est-ce que vous croyez aller comme ça? C'est pas cette caisse qui va vous sauver! Oh, c'est pas vrai, j'y crois pas. D'autres connards m'auraient pas attrapé, je les aurais eu. Putain, vous avez intérêt à repartir d'où vous venez. Thank you.
Blague. Mais crève. Mais lol, mais c'est quoi ce bug? Foutage de gueule là, sérieux. On est bien d'accord que le gars était complètement en mode no clip là, je le tapais et ma batte passait à travers son corps. On va voir par ici. Le fils de... Oh, il a une arme. Thank you.
Merci du follow-up, Doutek, bienvenue à toi. Vache, comment c'était tendu! Tout va bien, Sam? Ouais, ça va. Merci, Joël. Hé, regarde ça. C'est bon. Tout va bien. On doit y aller. Très bien. Sam! Vraiment ? J'ai dit ça va. Allez, allez ! En route ! Thank you.
peut-être pas blessé. Non, ça va. Bon, je crois qu'il est temps de mettre les voiles. Allez, on y va. Tu déconnes. Non, je te jure. C'était l'anniversaire de Tommy, et la seule chose qu'il voulait faire, c'était louer deux Harley et traverser le pays. Ah, merde. Qu'est-ce que je donnerais pas pour en faire juste un tour. C'était comment? C'était bien, super bien. Bien? Non mais tu l'entends? Allez mec, quoi? Donne-moi des détails, décris un peu. Bon, vous savez quoi? Vous deux, vous avez besoin d'être seuls. Non, Ellie. On parle pas de n'importe quelle moto, là. Quand t'es sur cette bécane avec le moteur qui ronfle, ça n'a pas de prix. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'en sais? Je l'ai vu en rêve. Je pense qu'aucun membre de notre groupe viendra. Ouais. Le pire dans tout ça, c'est de l'expliquer à Sam. Bon, c'est officiel, ces deux-là sont devenus potes. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la liste de la bouffe qu'on a trouvée aujourd'hui. Je vois. Et on en est où au niveau des pêches en conserve? C'est Henri qui t'envoie. Non. Pourquoi Henri m'enverrait? Pour s'assurer que je fais pas de conneries. On s'en est plutôt bien sortis tout à l'heure. Surtout toi. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va. Ok. Ben... dors bien. Pourquoi t'as jamais peur? T'as dit ça. T'as peur de quoi? Voyons voir. Les scorpions sont assez flippants. Être toute seule. J'ai peur de finir toute seule. Et toi? Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients? S'ils étaient encore là, mais qu'ils contrôlaient plus leur corps? J'ai peur que ça m'arrive. Ok. D'abord, on forme une équipe, ok? On va s'entraider, et deuxièmement... ils ressemblent peut-être à des gens, mais la personne est morte depuis longtemps. Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Qu'ils sont avec leur famille, genre au paradis. Tu crois que c'est vrai? Ça dépend des fois. Enfin, j'ai envie d'y croire. Mais tu crois pas? Je crois que non. Ouais. Moi non plus. Oh! Avec tout ça, j'ai failli oublier. Tiens, s'il sait pas que tu l'as, il peut pas te le prendre. Allez, je suis crevée. On se voit demain. Ça sent trop bon. Bonjour. Où est Sam?
Je l'ai laissé dormir pour une fois. Hein? Mais si tu veux qu'il nous rejoigne, tu peux aller le réveiller. Ok. Sam? Sam! Qu'est-ce qu'il y a? Merde, il se transforme! C'est mon frère, putain! Et merde! Merde! Ellie! Ellie, est-ce que ça va? Ah ouais. Oh non. Sam? Sam! Henri! Ellie, bouge pas. Henri! Qu'est-ce que je fais? Sam! Henri, je vais te prendre ton arme, d'accord? Sam! Ok, ok, du calme. C'est ta faute! C'est la faute de personne, Henri. Tout est ta faute! Henri! Henri, non! Oh mon Dieu! Espèce de fragile! C'est bouffé, c'est fait bouffer, toi tu pouvais vivre. C'est l'automne! Et voilà. Comté Jackson. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de Jackson, non? Quelques kilomètres, pas plus. Prêt à voir ton frère adoré? Je serais content d'arriver. Qu'est-ce que tu en penses de ma chemise de bûcheron? Je sais pas ce que je ressens. Bon, allez, petite save. C'est la pause, hein. Je vais faire une petite pause maintenant. Petite save, je fais une pause, je vais aux toilettes, je reviens et on continue. Voilà, j'ai 5 minutes, je reviens. Heureux, cher public, veuillez repartir. Voilà.
essayer d'aller jusqu'à l'hiver. La route s'arrête là. Suivons la rivière. Ça nous conduira jusqu'à Tommy. Viens. Al diablo. Séparés, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est juste qu'on n'était pas d'accord sur un point. Ah, quel point ? Tommy voyait le monde d'une façon et moi d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a rejoint les Lucioles. Ouais, ta copine Marlène lui a vendu du rêve. Ça l'a occupé pendant un temps, mais Tommy étant ce qu'il est, il a fini par laisser tomber. Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été « Je vais plus jamais revoir ta sale tronche. » Mais il va nous aider ? Ça, on va le savoir très vite. En tout cas, on y arrivera. Avec ou sans son aide. Allez, on continue. Ça, là-bas, c'est une centrale hydroélectrique. Hydro-quoi ? Ça utilise l'énergie de la rivière, et ça la transforme en électricité. Écoute, je sais ce que c'est, pas comment ça fonctionne. Très bien. On traverse ? Ok. Deuxième, on pourra traverser. Ah, elle doit être bien fraîche en plus. Oh, glou glou.
Ok, Ellie, il faut que... Je sais que je grimpe sur cette foutue palette. Allez, vas-y, tourne. Hey, fais gaffe en traversant. Mais oui. Quelle équipe. J'ai oublié de laisser ce sale robot sur sa tombe. Qu'est-ce que je dois en faire? Ellie. Quoi? J'ai envie qu'on en parle. Non. Pourquoi pas? Combien de fois est-ce que je dois le répéter? Les choses arrivent, mais on avance. C'est juste... Ça suffit. T'as raison. Désolée. Faut qu'on arrive chez Tommy. Je sais, moi aussi. Une fois passé cet endroit, on essaiera de trouver à manger. Il n'y a pas d'autre chemin. Passons par la centrale. N'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la sienne. Ellie, fais ce qu'elle te dit. Ok. Dites-moi que vous êtes perdue. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où? Tout va bien. Tu les connais, ces gens? Lui, oui. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh, merde. Comment tu veux, petit frère? Oh, putain. Ouais. Laisse-moi te regarder. Oh. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ce sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est... C'est elle qui dirige cet endroit. Madame, merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Il va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer? Ouais. Ok. T'as faim? Oh, carrément. On subit pas mal d'attaques. Il y a plein de bandits dans le coin.
C'est calme depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu fous ici? Je pensais te trouver à Jackson. On essaie de redémarrer la centrale. On avait réussi à la relancer, mais une turbine est tombée en panne. On a l'électricité. Enfin, on avait. On va la récupérer. J'y crois pas. Vous avez des chevaux? On en a plein, même. Hé, hey, Tommy, donne-moi un coup de main. Désolé, je reviens. Je peux? Oui, bien sûr. Il aime qu'on lui caresse les oreilles. Tu es déjà monté à cheval? Eh ben, ouais. Quand est-ce que t'as monté à cheval? C'est Winston, un soldat de la zone. C'est lui qui m'a appris. Si tu veux, on pourra aller faire un tour avec lui tout à l'heure. Ça serait super. Voilà. Eh, hey, merci Tommy. Pas de problème. Allez, on continue la visite. Earl? Oui? Qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censé rentrer ce matin? J'attends toujours Couser et les gars viennent me relever. On va se débrouiller. Allez, va rejoindre ta famille. J'en ai plus que pour 2 heures, ça ira. D'accord. Mais n'en fais pas trop. Maria? Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil? Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour de toute façon. J'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et mange quelque chose. Joël? Allez, Ellie. Laissons les gars travailler. Bon, je vous envoie Tommy. Bougez pas. Allez. Ce sera la 6e fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Ça fait qu'une semaine qu'on est là, mais ça semble long. J'ai quelque chose pour toi. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquait. Le plus gros. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. C'est bon. T'es sûr? J'ai dit c'est bon. Ok. Garder pour toi. Tommy, écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais, ok. Je vais juste aller voir les gars vite fait. Allez. Pas ce que tu sais, mais va voir la ville. On croit. C'est Maria et son père qui ont créé cet endroit, pour vivre de façon autonome. On a des plantations, du bétail. On pensait que ce mode de vie était mort et enterré. Attends. Laisse tomber. Elle est morte, cette turbine. Oh, je vais y arriver. On va pas abandonner maintenant. Et niveau sécurité? Les adultes gardent le périmètre à tour de rôle. On a même une barrière électrique quand la centrale marche. Et vous avez toujours affaire aux infectés, hein? Partout. Faut bien faire avec. C'est peut-être pas obligé. Tu parles comme Marlène. Salut, toi. C'est Buckley. C'est pas un bon chien de garde. C'est un bon chien. Mais j'aime bien l'avoir ici. Ces deux génies vont nous remettre la centrale sur pied. Je crois que c'est la bonne cette fois. Quoi, tu ne crois pas? J'ai pas dit ça. Je te parie 1 000 000 que ça marche. Ok, disons 2. On est presque prêts. Ils ont plus qu'à finir d'installer le bouclier. Tranquille.
C'est parti. Là, ça va le faire. Ok, c'est bon. Doucement. Voilà, c'est bon. Tommy est là. On peut y aller? Juste une seconde. Ok, c'est bon. Prêt? Vas-y, démarre. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Et nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi? Écoute, oh, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de spores pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant.
T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là. Tu te fous de ma gueule. Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour Ils le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein? Te remercie? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça? On nous attaque. Tu sais encore tuer un homme, non? Ouais. Merde! Des bandits! Arrêtez-les! Ne les laissez pas entrer! Je suis. Oh!
C'était bien trop chaud. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Joël! Oh merde! Ils arrivaient de tous les côtés à la fois. Et puis Maria a dit, écoute, il faut courir. Alors, on a plongé derrière ces tables, calme et les géants... Calme-toi, écoute. Hé, hey, hey, et... tu es blessé? Non! Putain. Il faut que je te parle. C'est hors de question. Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre. Maria, je veux pas avoir ça sur la conscience. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdus ici aujourd'hui? Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est en rapport avec moi? On parlera de ça plus tard. Est-ce qu'il t'a dit où était le labo? On parlera de ça plus tard. Plus tard. Je vois. Un seul faux pas et moi aussi je me retrouverai veuve, ok? Je dois le faire. Je sais pas quoi dire d'autre. Très bien. Maria. Maria. C'est parti. Vous. Si quoi que ce soit, si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante. Ouais, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Il faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joël! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ta gamine, elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Mais merde, vers où? Viens! Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à nettoyer. Ok. Doucement, doucement. Faites attention. Là, ouais. Tu vois ces traces? Allez. Elle peut pas être loin. On va la trouver, t'inquiète. Quelle tête de mule. Elle fait souvent ce genre de truc? Pas comme ça. Je sais pas ce qui lui prend. Elle n'est pas passée par là. D'autres traces. Ok, c'est bon. Il y en a beaucoup trop. Fais le tour, je te couvre. Couvre-moi.
va brûler. Continue comme ça, et je vais te le faire regretter. Allez, mon vieux, arrête de faire traîner. Viens, on file aux chevaux. Cataclope, cataclope, cataclope. Avant, foufou. Continue par là. J'espère juste qu'ils l'ont pas trouvé. Là, près du ranch. C'est notre cheval. Elle doit être là. Allez. La voie a l'air libre. Allez!
a une autre. Elle se souciait vraiment que de ça. Les garçons, les films. Décider quel haut mettre avec quelle jupe. C'est bizarre. Lève-toi, on y va, allez. Et si je dis non ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes ? Hein ? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin. Ouais, bah je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommy connaît ce coin mieux que personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur ? Que je finisse comme Sam ? Je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller toute seule. Combien de fois on a failli y passer ? Eh ben, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy ! Je suis pas elle, tu sais. Quoi ? Maria m'a dit pour Sarah. Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf. Sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors il est grand temps de se séparer. Préparez-vous, on n'est pas seul. J'en ai deux en approche. Et il y en a encore plus à l'intérieur. Reste derrière. Fais attention. Merci, trop de poils. Je voulais cette machette, justement. Yeah.
C'est bon. Il n'y a plus personne. Allez, on retourne aux chevaux. C'est bon. Tu veux de l'aide? C'est bon. Vont regarder des films ce soir. Il est où leur laboratoire? À l'extérieur, à l'université de l'Est du Colorado. Allez, les bigorns. Ellie, descends ton cheval. Rends-le à Tommy. Je vais garder celui-là si ça te dérange pas. Allez, m'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais? Ta femme me fait un peu peur. J'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Désolée d'avoir volé le cheval. Écoute, reviens en ville, qu'on en discute au moins. Tu me connais, je suis têtu. L'université de l'Est du Colorado. Et où je le trouve, ce labo? Dans le bâtiment des sciences. On dirait un miroir géant, tu peux pas le louper. Prends bien soin de ta femme. Il y a une place pour toi ici, tu sais. T'es prête? Je suis prête. Adios, petit frère. Allez. Yards, retour au premier essai. Première tentative, c'est ça. Oh, tu parles d'une prise de tête. Il suffit d'un ou deux matchs pour bien comprendre les règles. Et puis voilà. Voilà, voilà, on va faire une save ici. Je m'arrête là. Je reviendrai plus tard dans la soirée, peut-être, ou dans la nuit. J'ai du mal à dormir. Je verrai. Tout s'est passé comme sur des roulettes ce soir, je suis assez content. Voilà. Sur ce, j'arrête là. Je vous souhaite la bonne fin de soirée à tout le monde. Et allez, à plus.